Je vais ramener ta fraise. Le Kikadi pour gagner un pack bien-être. Nous jouons avec Tofik et Jérémy. On se dépêche. Tofik, tu choisis ton équipe. Ouais, Moscato ou Dimeco, Tofik? Dimeco. Dimeco, oulala. Dimeco, Maryse et Tofik contre Jérémy, Pierre et Vincent. C'est parti. Kikadi. On chute, on se relève. On chute, Mbappé. On se relève. Non, Mbappé, Nicolas Hulot. Il a jamais vraiment joué. Nadal, non? Colazo. Non, bah, dans sa carrière, il a eu des très bas. Foot. Il a eu des très hauts. Armstrong. Et c'est du foot. Et c'est du foot. Ben Arfa. Athem Ben Arfa. Oui. On chute, on se relève. On chute, on se relève. C'est ce qu'il a dit hier lors de sa présentation à Rennes. Ouais. 1-0 pour Tofik, ouais, Marie, Zeric. Athem Ben Arfa. Cucu. Qui qu'a dit ? On n'est pas dans un état d'esprit qui est propice à s'enflammer. Je sais que vous allez vous enflammer après ce match-là. Urios. Non, c'est Azema. Azema. Le manager de Clermont, victoire. Ils ont éclaté le Racing 92 hier. Au Paris, la Défense Arena. Là, et on a quelqu'un qui est affûté. Deux réponses. Sa fille est en stage aujourd'hui. La fille c'est vrai qu'il y a Ilona Dimeco. Deux réponses. Qui est en stage chez nous. Vient de me le signaler. Fred Pouillet vient de me signaler que sa fille est en stage. Qu'elle était à côté, juste à côté. BFM TV, allez, par contre, j'ai une très mauvaise nouvelle. Fred Pouillet avait ta fille. Bon. Donc, ils ont le même âge, je le sais, mais tu vas être grand-père. Bon, ils ont le même âge, mais à 20 ans écoute, près. On a le droit de le jeter. On a le droit de le noyer, non, le petit. C'est interdit par la loi. Non. Ah bon, mais BFM pourtant, TV. Tu le mets dans un sac. Qui qu'a dit Macron de droite, il faut être clair, hein, la hausse de la CSG. Barouin. François Barouin et la forte baisse du pouvoir d'achat qui en découle ne sont pas des mesures de droite. Oh, voilà. Ça va, j'ai compris, 3-0. François Barouin, maire de Troyes. C'est impressionnant. 5 minutes. Attention à la Golden Carotte, Eric, qui peut arriver. Ne t'enflamme pas trop. M'en fous. Dorian Dimeco. Ouais. Face à face. Allez, Pierrot, on est marre de là, comme au boulot, on part de là. Allez. Comment s'appelle l'entraîneur en foot du Bayern Munich? Ah, c'est. C'est celui qui était avant à. Il n'est pas allemand. Non, c'est putain, c'est Kovacs. Kovacs. C'est moi, c'est moi. C'est moi. C'est Pierre Dorian. Non. Mais comment c'est possible? Je l'ai dit 6 minutes avant là. Oui, mais avant, mais il a pas bien prononcé. Mais comment? Mais bien sûr. Mais c'est pas. Mais t'es pas bien. Mais vous êtes fou quoi? C'est pas Kovacs. Non. Mais comment c'est possible là? Sur la vitesse. Moi, je vais vous dire, je n'en sais rien parce qu'il braille tellement que j'ai enlevé le casque. Mais comment là, c'est alors là? Là, c'est pas possible. Eric, calme-toi, franchement, parce que c'est insupportable. Nico Kovacs. J'accorde le point à Eric Dimeco. Mais putain, mais je l'ai dit 2 heures avant. Comment c'est possible? Nico Kovacs. Quand te crois. Oh, t'es un amateur professionnel! Sauf que là, c'était au moins 2 secondes avant. Mais c'est pas là-dessus, c'est pas sur la vitesse. Tu disais, c'était sur la prononciation. Mais c'est pas Kovacs, c'est Kovac. Il a dit Kovac. Parce que tu prononces à la hongroise, ça s'écrit comment? Vous avez le point, vous avez le point, vous faites un scandale. K-O-V-A-C. C'est plus mauvais joueur et plus de mauvaise foi, vous faites comment? Tu le prononces comment, toi? Donc, quand vous avez le point, vous gueulez au scandale. Non, mais c'est fantastique. Et c'est nous qui sommes de mauvaise foi, Vincent. Souviens-toi quand même de la semaine dernière. Question auditeur. C'est une honte. C'est quoi? Si c'est ça, on annule la partie, je m'appelle. Question auditeur. Tofik et Jérémy. Il est 17h50, il reste 4 minutes. Attention à la Golden Carotte, restez concentrés. Allez, Jérémy. Tofik et Jérémy. N'inquiète pas, on va les coincer sur la Golden. Le 26 mai 93 à 21h15, dans quelle ville se trouvait Dimeco? Ouais, c'est Munich. Munich. Et Tofik. Putain, en plus, quoi. Magnifique. L'on dit les deux, l'on dit. Oui, non, mais il y en a un qui l'a dit avant. 5-0 pour Tofik. BFM TV. Je pense que c'est pas Jérémy d'ailleurs. Tu vas être obligé de me faire un bisou sur les pépettes. Bah, t'inquiète pas, j'étais tranglé là. Vas-y. Cette saison encore, qui va présenter l'émission de télé mythique qui s'appelle Burger Quiz? Ah, c'est Chabat, Chabat. Pierrot, Chabat. Juste merde. Avant tout le monde, Alain Chabat. Oui. Alain Chabat, le plus fort, le meilleur du monde de l'univers. Je me regarde, cette émission, elle est énorme, cette émission. Ah, meilleure émission du monde avec le meilleur animateur du monde. Il y en a comme gueulé que oui, on sait. 3 minutes. Il y a beaucoup d'imposteurs dans ce milieu, mais lui, c'est bon. Burger Quiz, quoi. Qui a dit Nuggets Quiz, je voudrais faire. L'équipe de France, ce serait une énorme fierté. Urios. Christophe Urios, le manager du Castres Olympique. Voilà, ça c'est le remontada. Pierrot, quand t'es comme ça, moi je t'accompagne aujourd'hui, je vois pas une thune comme d'habitude. Allez, vas-y. 5-2. Je t'accompagne. Tu peux donner le point de la victoire. Ouais, je peux te le donner, c'est ça. Moi je suis le directeur sportif, je suis avec la bagnole. Ça ferait ton combien, Erkikadi là. Il reste 2 minutes 45. Écoute, attention à la Golden Carotte. On t'occupe pas du chapeau de la gamine, nous on est collectif. Et Pierrot, je le mets en confiance. Erkikadi, on est collectif. Inespéré. Bravo Benitez, mais je maintiens, la saison va être longue sans renfort. Viera. Pas Viera. Mais Henry, quelqu'un qui se permet de donner des conseils à Viera. Ah, c'est Menez. Ferguson.
Mais non, il se permet de donner des conseils à Zidane. À Vira. Il a jamais joué. Il a jamais joué au foot. Alain Marchal, évidemment, Maryse. Oui, Maryse. Alain Marchal qui s'exprime sur l'OGC Nice, sur la saison de l'OGC Nice. C'est le point niçois. Benitez, c'est le gardien de but qui a été énorme face à Lyon. Il sort Marchal une fois par semaine. Marchal, il se greffe aux décisions, au choix de Nice. Marchal, il se prend pour un autre. Et nous, et dans cette radio, on a le président de Nîmes, le président de Nice, le président de. Président de la Ligue qui est venu. Question auditeur, Tofik et Jérémy. Allez Tofik. Tous les vendredis à 18h sur RMC, quel est le nom de l'émission? Alors ça a changé il n'y a pas Jérémy. Longtemps. Avant c'était l'Arc et Foot, je vous donne le début du nom. Ici. Spagnol. Oui. Ici. Et Willy. Ouais, bien Jérémy. Jérémy, c'est pas le Jérémy, t'es timide. Allez. Ici, c'est Willy, le vendredi à 18h sur RMC avec Jean-Louis Tour, l'excellent. Ah non, mais il l'a pas dit, il a juste dit c'est Willy. Ouais, mais c'est comme. Qui qu'a dit ? C'est toi qui a dit ici. Il était pas content, il a dit dites-vous que depuis janvier 2017, j'ai pas pu faire plus de 6 semaines d'entraînement à fond. Ben Arfa. Sans interruption. Vico, la Villeni, Renaud la Villeni qui a répondu au débat des grandes gueules. Il était pas content, Renaud la Villeni. Bien, ouais. Marie. Il a répondu sur 7-3, une minute. C'est la question Maryse, quoi. Ça, c'est pour la fin. Ils ont fait un débat, à la Villeni a-t-il passé son temps? Il a répondu directement à l'émission sur Twitter, parce que c'est moderne, en donnant un peu les raisons de sa méforme ces derniers mois. C'est toujours une question. Il a-t-il dit, attendez patiemment 2019 si je retrouve la continuité dans les entraînements. C'est une question Maryse. Ici qui a sorti l'esprit. 45 secondes, dernière question avant une éventuelle, peut-être, Golden Carotte. C'est de la culture foot, en foot, en ce moment. Qui est le sélectionneur de l'Italie? Mancini. Ah, c'est Mancini. Roberto Mancini. Ne dis pas, c'est Mancini. C'est bien, Roberto Mancini. On te le dit à chaque fois. Ah non, toi tu dis pas Mancini. Roberto toi, tu dis Mancini. Mancini. Non, mais peu importe, il ne faut pas que tu dises. Mancini, ah, c'est. Non, dis le nom direct. Que j'avais trouvé ça comme Mancini. Comme pas. Non, tu avais trouvé Mancini, toi. Mancini. Soit c'est gagné pour l'équipe d'Imeco Maryse, soit c'est la Golden Carotte. La Golden qui a disparu depuis une semaine. Elle n'était pas là la semaine dernière. Le jeu de l'acteur studio. Je vous annonce. Elle n'a pas disparu. Officiellement, c'est la Golden. Que la Golden Carotte, c'est pas aujourd'hui. Victoire de l'équipe pour Mecco Maryse. Zéro réponse. Erkikadi, Tofik, un pack 100% bien-être, huile de massage, roll-on détente et huile de bain. Bravo, Tofik.